Salut les manchots, découverte de l'Ubuntu 22.04. Nous allons faire un tour rapide de cette distribution. Alors, la première chose à faire au niveau des paramètres, c'est de régler un petit peu votre barre de tâches qui se trouve en bas. Faire un clic droit et aller dans le menu pour configurer le tableau de bord. Là, vous allez pouvoir régler la taille de votre tableau de bord. Il va falloir l'agrandir un petit peu car moi, je le trouve beaucoup trop petit à l'utilisation lorsque vous avez installé votre distribution. Alors là, vous réglez la taille. Ensuite, vous allez pouvoir régler la taille de vos icônes, les diminuer ou bien les agrandir pour ajuster à votre vision. Ensuite, vous allez pouvoir aussi régler la longueur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un alignement, par exemple, à droite. Là, pour l'instant, on ne le voit pas. Mais si je diminue la longueur de ma barre qui se trouve tout en bas, vous voyez, elle est alignée à droite. Alors, bien sûr, je vais pouvoir la diminuer à la taille qui me convient ici. Et ensuite, je peux même la centrer. Et là, ça vous fait un petit menu avec une barre de tâches qui se trouve au milieu. Vous pouvez aussi le positionner tout en haut du bureau. C'est à vous de l'ajuster. Donc, ce sera les premiers paramètres à régler pour ajuster un petit peu votre bureau à votre convenance. Donc là, je vais revenir à la position de départ. Et nous allons continuer un petit peu le tour de ces petits menus. Alors, vous pouvez masquer aussi automatiquement le bureau. Là, par contre, il faudra fermer le menu pour pouvoir le faire disparaître et qu'il soit actif. Alors, ce que l'on peut constater assez rapidement, c'est que je vais le remettre en position affichée pour que ça fonctionne le plus simplement, pour que l'on voit tout ce qui se passe au niveau de l'écran. Alors ici, vous pouvez bien sûr ajouter des widgets aussi avec la fonction qui se trouve ici. Alors les widgets, c'est votre barre de tâches qui se trouve tout en bas ici que vous allez pouvoir animer. Alors le menu d'application, c'est celui que vous avez tout en bas à gauche ici. Et le chargeur de bureau, c'est ce que vous avez ici. Vous avez plusieurs bureaux que vous allez pouvoir sélectionner. Le bureau 1, le bureau 2, le bureau 3, le bureau 4, ça c'est le chargeur de bureau. Ensuite, vous avez le lancement rapide. Donc, le lancement rapide, c'est à partir d'ici. Vous avez le gestionnaire de fichiers. Et là, j'ai rajouté quelques lanceurs en fonction rapide. Alors, comment utiliser ce lanceur rapide? C'est assez simple à utiliser. Si je prends, par exemple, dans la bureautique ou dans les accessoires, la calculatrice, je peux prendre le petit menu qui se trouve à gauche ici. Je fais un clic gauche et le fais descendre dans la barre de tâches en bas. C'est assez simple à utiliser. Une fois qu'on a trouvé la fonction, vous avez un petit plus vert. Alors, c'est ici qu'il faut afficher les lancements rapides, c'est tous les icônes qui sont jusque là. Là, vous êtes sur l'affichage qui est bleu ici, ça c'est le bureau, ça n'a rien à voir, donc il faudra lâcher votre calculatrice ici. Hop, je lâche la calculatrice, elle est maintenant dans le lanceur rapide. Ensuite, c'est assez facile à utiliser, un petit clic droit sur votre calculatrice et vous pouvez la déplacer à gauche, ça sera ensuite à vous de l'ajuster là où vous en avez besoin. Donc ça, c'est la partie lanceur rapide. Hop, là, on arrive ici, ça c'est le bureau. Donc c'est montrer le bureau. Donc si je veux montrer le bureau, je clique ici et je montre le bureau. Je reviens ici. Donc ensuite, le gestionnaire de tâches, c'est la partie que vous avez ici. C'est-à-dire que là, j'ai lancé deux logiciels. J'ai VocoScream et le configurateur de table. Là, maintenant, je vais lancer le navigateur Firefox. Alors attention, on va essayer de calculer le temps de démarrage de Firefox. Il y a un temps version Snap. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, en gros, quand vous lancez le navigateur Firefox, si vous n'êtes pas en surcharge au niveau des logiciels, vous mettrez à peu près 6 à 7 secondes pour lancer Firefox en version Snap. Nous essaierons d'améliorer la situation avec un autre logiciel en mettant un Flatpak, mais je ne garantis rien. Ça sera des essais que nous allons réaliser ensemble. Alors, le menu qui se trouve en bas, c'est le gestionnaire de tâches et nous allons voir un petit peu comment on peut l'utiliser différemment. Donc là, je relance le navigateur Firefox et là, en 3-4 secondes, il va se lancer. Pour le deuxième démarrage, il est beaucoup plus rapide. Donc là, si je vais sur le bureau numéro 2, là, comme on peut le voir, le gestionnaire de tâches est toujours actif et j'ai toujours les menus qui sont ici présents. Donc si je clique sur Mozilla, je vais revenir sur le bureau numéro 1. Hop, je suis revenu sur le bureau numéro 1. C'est le bureau numéro 1 qui est actif. Alors, ce qu'il est possible de faire au niveau des bureaux, c'est que nous pouvons aussi les configurer aussi avec un autre menu qui se trouve ici, préférence du bureau. Donc, dans les préférences du bureau, nous allons voir un petit peu comment on peut gérer ce bureau. Vous pouvez bien sûr gérer la taille des icônes. La taille des icônes, c'est ce que vous avez sur la droite ici, sur la gauche ici. Vous pouvez les mettre à la taille 976. Alors là, il faudra faire appliquer. Et là, vous voyez, ça change automatiquement la taille des bureaux.
Ensuite, vous avez l'arrière-plan que vous pourrez configurer, les diaporamas et la fonction avancée. Alors là, vous pouvez décocher hein, les menus qui sont sur le bureau ici, paf, 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 et puis vous pouvez appliquer et vous aurez un bureau vierge. C'est assez simple à utiliser, hein, pas de prise de tête au niveau du fonctionnement. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le menu qui est tout en bas, hein, c'est la barre de tâches. Et là, vous avez le gestionnaire de tâches et vous pouvez le cliquer et le configurer. Donc là, vous pouvez faire afficher uniquement les fenêtres du bureau. Et nous allons voir tout de suite à quoi cela sert. Je fais afficher uniquement les fenêtres. Normalement, la fonction doit être active. Et si je vais sur le bureau numéro 2, hein, vous voyez tout en bas la barre de tâches. Et bien, la barre de tâches a été liquidée ici. J'ai une nouvelle barre de tâches qui est vide. Puisque ici, sur le bureau numéro 2, pour l'instant, je n'ai rien lancé. Donc si je lance un logiciel comme HTOP, là, on voit le menu va s'activer et je vais avoir d'autres logiciels qui vont se lancer. Là, je vais lancer la calculatrice. J'ai donc la calculatrice qui est lancée et j'ai une barre de tâches qui est indépendante du bureau numéro 1. Donc, ça peut être assez fonctionnel pour certaines personnes qui veulent utiliser leur bureau différemment. Donc, ça, c'est une option intéressante qu'il est possible de configurer. Donc ici, nous avons les médias amovibles. Donc, c'est le menu qui se trouve tout en bas ici à droite. Le volume audio qui est possible de configurer, c'est celui-ci. Alors, le problème que j'ai trouvé avec le volume audio, hein, c'est que vous n'avez qu'un seul endroit pour gérer le volume. C'est ici que vous allez pouvoir gérer un petit peu le son de votre ordinateur, les périphériques de sortie qu'il faudra analyser et configurer pour avoir le son qui sort dans les bonnes enceintes, les périphériques d'entrée et la configuration. C'est ici que ça se configure. Le souci, c'est que le menu se trouve que ici, hein, je ne l'ai pas dans les paramètres ailleurs. Donc c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir ce paramètre qui est accessible d'une autre fonction. Ensuite, nous allons voir ensemble, donc là j'ai décoché l'option, vous voyez donc le bureau numéro 2 maintenant est pareil que le bureau numéro 1, hein, la barre de tâches ici reste activée. Nous allons voir maintenant comment activer des flagpads qu'au niveau de Firefox, car comme nous allons le voir ici, si je vais dans les paramètres de outils système, Discover, c'est le logiciel qui me sert à installer des logiciels, et je vais dans configuration. Dans les configurations, je n'ai accès qu'à des snaps hein, que je peux définir par défaut. Hein. Pour l'instant, ce qui est par défaut, c'est Ubuntu 20.04, donc ce sont les points deb, hein, source par défaut. Et si je coche ici définir par défaut, bon, a priori, il me présentera les snaps en prioritaire hein, pour installer des logiciels. Donc pour l'instant, on va laisser les deb par défaut. Et ce que nous avons de disponible, hein, ce sont que les deb et les snaps. Nous allons voir comment on peut installer des snaps. Pour cela, je vais lancer le logiciel qui se trouve ici, Firefox, et je vais aller sur mon site internet où j'ai préparé un tuto que je vais tester avec vous hein, pour voir si ça fonctionne correctement sur cette distribution, car je n'ai pas fait tous les essais, hein, nous allons les faire ensemble. Et là, j'ai un tutoriel dans le logiciel qui s'appelle le Flatpak, et dans les Flatpak, hein, j'ai mis une commande qui se trouve ici, hein, qui me permet d'installer les Flatpak et les dépôts sur la distribution. Alors, je sélectionne la ligne de commande, hein, je peux ouvrir un terminal avec CTRL-ALT-T et ma molette de souris, hein, je clique directement avec la molette de souris hein, sans faire un clic droit et copier-coller. Hein. Là, normalement, ça dit, il vous dit de coller directement la commande. Alors là, je fais oui, bien sûr, la commande est lancée. Je fais Enter pour la valider, le mot de passe et normalement, il va faire toute l'installation directement en une seule ligne de commande. Souhaitez-vous continuer? Oui, bien sûr. Il fait donc toutes les commandes les unes à la suite des autres. Hein. Le fonctionnement est assez simple hein, quand vous voulez mettre plusieurs lignes de commandes les unes après les autres. Hein, je vous le montre ici. Hein, c'est juste qu'il faut mettre un point virgule. Vous mettez un point virgule entre les lignes de commandes hein, et il va pouvoir lancer les commandes les unes après les autres. C'est-à-dire qu'il va lancer la commande Subuto, sudo apt install, sudo apt gnome software et puis le flapu pour les dépôts. Là, il me demande un mot de passe pour finir l'installation. Je reviens dans mon terminal. Je vais voir où ça qu'il est arrivé. Normalement, l'installation est terminée. Alors, il me demande de redémarrer la session. Donc, je vais redémarrer la session et je vous retrouve dans quelques secondes hein, pour voir si tout est opérationnel. J'ai redémarré l'ordinateur hein, pour être sûr que tout fonctionne et nous allons voir maintenant ce qu'il a installé comme logiciel supplémentaire. Alors j'ai déjà été voir dans Discover, hein, Discover je n'ai pas d'option supplémentaire. Là je vais trouver l'information qui m'intéresse dans Préférences et là il a rajouté un logiciel qui s'appelle Software. Là je lance le logiciel Software, alors au premier démarrage, le démarrage sera un peu plus long, hein, il va lancer la mise à jour de la Logitech de Flatpak, hein, c'est une Logitech qui sert pour les Flatpak. Donc ne vous inquiétez pas, hein, le démarrage est un petit peu long, mais une fois qu'il aura démarré son système, vous aurez accès à la bibliothèque. Et là, je vais taper Firefox, tout simplement,
Pour rechercher le logiciel, il va me proposer donc le logiciel Firefox. Ici, il est disponible en Flathub, on voit Flatpak, donc c'est ça qu'il me propose. Donc je fais l'installation. Donc le Flatpak, c'est un peu la même chose que pour les snaps, hein. C'est toujours le dernier logiciel qui est proposé au niveau de l'installation. Donc il sera toujours mis à jour, hein, ce logiciel. Mais bon, de toute façon, sur toutes les distributions Linux, hein, quand on avait la version .dev, elle était toujours à jour aussi, hein. Mais là, maintenant, sur les nouvelles versions de Ubuntu 22.04, vous aurez de préférence un snap. Et ce qui va poser souci sur certains types d'ordinateurs, je pense, hein, car le démarrage va être quand même assez long. On va essayer de trouver ensemble une solution à peu près confortable et pas trop compliquée, hein, pour installer quelque chose qui soit un petit peu plus rapide au niveau du logiciel pour naviguer sur Internet. En attendant l'installation du Flatpak, nous allons aller faire un petit tour des logiciels et nous allons voir un petit peu ce qu'il y a dans le système. Nous avons donc Featherpad, ça c'est l'éditeur de texte, le gestionnaire de fichiers PC Passman. Donc ça c'est l'explorateur de fichiers, hein, qui est assez sympathique. Hein. Nous allons voir ensemble comment un petit peu l'utiliser assez facilement. Ici, vous avez donc les préférences, hein, que vous allez pouvoir configurer pour pouvoir ouvrir les fichiers d'un simple clic. L'affichage, c'est pareil, vous pouvez gérer la taille des icônes, hein, qui sont présentes ici sur l'écran. L'interface utilisateur, toujours dans la barre des onglets. Les vignettes que vous pourrez configurer. Le volume. Les volumes qui seront montés automatiquement, hein, c'est ce que vous avez ici, hein, les volumes qui sont présents et la configuration avancée. Ensuite, dans les vues, vous avez plusieurs vues qui sont proposées ici, hein, les vues partagées aussi que vous pouvez activer. Donc ça, c'est la vue partagée. Vous pouvez donc diviser votre écran en deux, hein, pour pouvoir naviguer assez facilement. Alors, j'utilise pas trop cette vue, hein. Bon, je n'utilise pas non plus ce logiciel, hein, de l'Ubuntu. Moi, ce que j'aime bien utiliser ici, par exemple, je veux ouvrir le dossier data qui se trouve ici, hein, je fais le clic de la molette de la souris pour avoir des onglets. Je travaille plutôt avec des onglets, hein, mais comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez travailler différemment. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des systèmes comme ceci. Je vais dans mon dossier vidéo et je vais dans mon montage préparation. Ici, dans mon dossier préparation, j'ai besoin d'avoir souvent accès. Alors, ce que je fais, c'est je crée des signets. Donc, je fais ajouter un signet. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, hein, là, j'ai maintenant un accès direct à mon dossier préparation. Je peux faire aussi un clic droit et je peux renommer le signet. Et là, c'est assez intéressant. Je peux diminuer le dossier, comme ça, il prendra moins de place dans l'affichage. Je fais Enter et voilà, j'ai un accès direct. Maintenant, je vais dans mon dossier Xorin. Je peux aller dans mon dossier montage. Hein, c'est montage en préparation. Donc, ça, c'est assez intéressant au niveau du fonctionnement de ce logiciel. On peut avoir des outils ici, hein, pour créer des lanceurs. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et autrement, vous avez un accès ici à logiciel. Alors, je pensais pouvoir faire des petites modifications dans ce petit menu. Hein, logiciel. C'est le menu que vous avez ici, en fin de compte, hein, les accessoires, autres, bureautiques, que c'est un peu la même chose, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de fonction intéressante parce que j'ai voulu vous modifier le nom de Firefox pour le mettre en Snap, puisque c'est la version Snap qui me crée ici, mais quand je vais dans le raccourci ici, ça n'a rien changé au niveau du menu, hein, je suis toujours avec Firefox. Ah non, depuis le redémarrage de l'ordinateur, hein, je vois que ça a mis à jour, hein, Firefox version Snap. Donc je me suis trompé, hein. Au départ il n'y avait pas de changement, mais au redémarrage de l'ordinateur je vois que l'option ici a changé. Donc c'est à dire que j'ai été sur le menu, hein. Par exemple je veux lancer, modifier le nom de transmission, hein. Je fais un clic droit, je fais renommer et a priori ça fonctionne, hein. On peut modifier le nom ici, mais le fonctionnement est le même, il va quand même lancer le raccourci qui va bien. Puisque ici j'avais le nom qui s'appelait Firefox au départ. Comme vous le voyez ici, hein, c'est Firefox, mais je l'ai renommé et vous voyez, hein, ça a modifié ici et ça a modifié l'option qui se trouve ici quand je vais dans Internet, mais ça l'a modifié qu'au redémarrage de l'ordinateur. Alors, voyons voir Software maintenant si ça a fonctionné. Non, c'est toujours pas présent ici. Donc, j'ai mon explorateur des fichiers. Nous avons fait le tour ensemble un peu de ce logiciel. Alors, ce qui est intéressant d'utiliser aussi, c'est la fonction qui se trouve ici. Alors, par exemple, je vais aller dans mon dossier montage qui se trouve ici, par exemple. Et je vais ouvrir un autre logiciel ici. Je vais aller dans ISO, les images ISO. Et comme on peut le voir ici, je peux les mettre en liste. Et là, la fonction est intéressante parce que si je reviens sur mon montage préparation, je suis toujours en menu icône ici. Mais je peux les changer, je peux les mettre en image ici ou les mettre en liste comme ça tout simplement. Et chaque onglet est géré différemment. Si je vais dans mon dossier document ici, bon, je n'ai pas de dossier encore qui sont installés.
Mais si je vais sur mon dossier data, hein, je peux avoir les images ici qui sont présentes, hein, pour avoir les raccourcis et les informations. Alors l'intérêt de ce système, hein, si je vais dans HTOP rapide parce que j'ai fait quelques tests de la distribution, hein, je refais des tests de temps en temps, là l'Ubuntu est classé comment? Alors j'ai refait quelques tests, hein, sur la l'Ubuntu 22.04 en version officielle. Et là, comme on peut le voir, la consommation à vide, hein, c'est 650 mégaoctets de consommation mémoire. Donc c'est une distribution qui est intéressante car elle est très légère si vous avez un système qui n'est pas très puissant au niveau de votre ordinateur. Par contre, ce que je trouve un peu ennuyeux, hein, c'est quand on met en charge le système, hein, je lance Kdenlive plus VocoScream, hein, là je me retrouve avec un rendu à 10 minutes. Donc en surcharge, le système n'est pas très performant. Par contre, si vous lancez que le logiciel Kdenlive, vous avez un rendu vidéo qui est assez intéressant en 4 minutes 55 secondes. Ce qui est assez équivalent, hein, par rapport à d'autres systèmes que j'ai déjà testés, hein, 4 minutes 59, 4 minutes 48 avec Ubuntu Mate. Donc c'est un système qui est assez intéressant, mais dès qu'on le met un petit peu en surcharge, hein, quand j'ai lancé le logiciel Superposition, hein, j'ai fait plusieurs essais, hein, on est à 2270 au niveau du score, 2272, pardon. Et là, comme on peut le voir, une Linux Mint Debian sera beaucoup plus performante, 2513, ce qui fait 18 images par seconde d'affichage. Et là, on n'est que à 17 images en gros par seconde. Donc pour moi, ce système est intéressant pour un ordinateur qui est très léger, mais il ne faudra pas surcharger le système, sinon vous n'aurez pas un très bon rendu. Alors bien sûr, j'ai mis à jour mon site internet, je vous aurai trouvé toutes les informations sur le site internet. Donc comme on peut le voir ici, Firefox met un petit peu de temps à démarrer. On va patienter et ensuite si je vais sur LibreOffice, j'ai l'onglet qui se trouve ici, HTOP à vide. Et là j'ai mis à jour des informations qui pour l'instant ne sont pas mises à jour, puisque là on est à 0,66, c'était le dernier test que j'avais réalisé. Le temps de minutage 10.38 alors qu'on est à 10.27 actuellement. Donc je refais des tests régulièrement pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises et vous raconter des conneries. Nous allons maintenant voir ce qui se passe au niveau du système, s'il est prêt à fonctionner. Donc voilà, Firefox est installé. Je vais fermer le logiciel Flatpak et nous allons voir ensemble comment nous allons pouvoir gérer ça. Alors, comme on a pu le voir ici, si je vais dans mon explorateur de fichiers, il a dû rajouter un menu dans les applications. Donc si je vais dans Internet, il a dû rajouter une information au niveau de Firefox. Voilà le Firefox. Donc là, regardez, je vais faire un petit clic droit, je vais le renommer et je vais le mettre Flatpak. Alors, donc l'affichage, on va mettre Firefox, Flat, voilà, tout simplement, et on va supprimer les lignes. Alors ne supprimez pas le point desktop, il faudra garder le point desktop, et je fais Enter, et on va voir ce qui se passe. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas modifié le menu, si je viens ici, et que je vais dans Internet, ah si, là il a modifié directement le menu, on le voit, Firefox Flight. Alors là, comme ça, on ne va pas se tromper, on le lance, et on voit que le démarrage est un petit peu plus rapide quand même. Pour les Flatpak, ça sera un petit peu plus rapide au niveau du fonctionnement. Donc là, vous allez pouvoir gérer votre système, je ferai quelques essais pour voir tout à l'heure, et je vous dirai en fin de vidéo combien de temps met à démarrer un Flatpak par rapport à un point deb. Là, je ferai plusieurs essais parce que ce n'est pas toujours évident à voir. Ensuite, le souci que j'avais avec cette distribution, c'est au niveau de LibreOffice. Donc quand on va dans Purotique, on a la LibreOffice qui se trouve ici, LibreOffice Writer, et il est toujours en anglais ici, ce n'est pas passé en français. Donc il y a une solution, bien sûr on va dans les menus qui se trouvent ici, puisqu'on a Tool et puis on a le langage, vous avez la sélection du langage ici qu'il est possible de régler, mais nous avons French qui est validé ici. USA, donc il n'y a pas de souci au niveau du paragraphe, ici on peut mettre les paragraphes en français, mais on est toujours en anglais ici, il y a un souci de ce côté-là. Donc la solution se trouve normalement ici, nous allons faire le test ensemble, pour cela vous allez dans Outils Système et vous avez Gestionnaire de paquets Muon. Donc c'est un peu un logiciel comme Synaptic, alors là il faudra tout simplement taper LibreOffice, vous tapez tout simplement LibreOffice FR. Et là, normalement, il va vous trouver un menu. Alors, celle-là, il ne trouve rien. Vous mettez un espace, vous mettez FR.
et là il va normalement faire des petites recherches, et là vous allez pouvoir chercher l'option qui vous intéresse, qui se trouve normalement ici, voilà, LibreOffice-L10NFR. Je vous mettrai le nom dans le descriptif, hein, c'est LibreOffice-L10NFR. Normalement, si je clique ici et que je fais installation, mon LibreOffice devrait passer en français. Alors là, j'ai fait installation, ensuite il va falloir valider, appliquer les modifications, voilà. Je valide le mot de passe. Alors c'est un logiciel, un Muon, c'est un peu comme Synaptic, hein. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser qu'une Logitech, mais vous n'avez pas d'autre choix, hein. C'est par ce menu là qu'il faudra passer pour pouvoir installer votre LibreOffice en français. Normalement il a dû installer les logiciels, on va faire fermer ici, on le voit, il a été installé. Ensuite je vais lancer, je vais fermer le logiciel LibreOffice. Je vais relancer le logiciel et nous allons voir si ça va fonctionner. Youpla. Et voilà, le logiciel est passé en français. Vous avez fichier, nouveau, édition. Dans les outils, ben, vous avez le langage. Et puis pour la sélection, nous sommes bien en français ici maintenant. Donc c'est assez rapide, mais bon, c'est un peu, petit peu ennuyeux. Alors pourquoi il est en anglais chez moi alors que peut-être chez vous, vous l'avez téléchargé en français? Ben, c'est très simple, hein, parce que quand je télécharge une distribution Linux, surtout pour les versions Ubuntu, hein, je vais sur le site internet qui s'appelle Ubuntu Release. Et là, je suis sûr d'avoir les versions officielles de Ubuntu, hein. C'est la version officielle qui est là, elle n'est pas modifiée. Par contre, si vous allez sur le site de France de l'Ubuntu, hein, vous allez télécharger une version de l'Ubuntu qui aura été modifiée et qui fonctionnera bien sûr peut-être un peu mieux et qui sera en français. Mais le problème, c'est qu'elle est modifiée. Et il y a une époque où on a eu des soucis avec cette distribution, car elle ne fonctionnait pas en UEFI. La distribution française modifiée ne fonctionnait pas en UEFI, alors que la distribution originale de Ubuntu, hein, toutes les versions Ubuntu, fonctionnait en version originale en UEFI, mais pas les versions françaises. Donc depuis, je ne fais plus d'erreur de ce côté-là. Hein. Je télécharge directement la version officielle et ensuite, je la passe en français avec les commandes qui vont bien. Ensuite, dans les logiciels qui sont présents, donc si vous avez les accessoires, vous avez la calculatrice, un clic droit, autrement vous pouvez l'ajouter au bureau. Alors le bureau, l'accès direct se trouve ici. Hop, normalement, je reviens sur le bureau et vous voyez, la calculatrice est accessible maintenant sur le bureau. Hein. Le bureau est fonctionnel. On peut ouvrir donc la calculatrice. Alors c'est plutôt exécuter qu'il faudra faire quand on lance la commande, c'est exécuter. Voilà. Là vous lancez le logiciel. Ensuite dans les logiciels, bon on va faire un petit tour rapide, hein, je ne vais pas vous détailler tous les logiciels qui sont présents ici. Donc ça, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Les softwares, bah, c'est là qu'il est installé le logiciel qui permet d'installer les Flatpak. LibreOffice, vous avez toute la collection de LibreOffice. Dans les graphismes, donc ce qui nous intéresse, par exemple vous, ce qui peut vous intéresser, c'est ScreenScrab. C'est le logiciel qui permet de faire des captures d'écran. Donc c'est celui-là qui fonctionne pour les captures d'écran. Vous pouvez faire des pleins écrans, des captures, des fenêtres actives, des zones d'écran ou la dernière zone sélectionnée. Donc c'est un logiciel basique, mais c'est celui-là qui est utilisé. Il s'appelle ScreenGrab. Ensuite, un petit tour rapide donc du son qui se trouve ici. Dans les préférences, donc c'est là, alors je reviens sur Internet. Donc là, maintenant, on a un accès direct avec Flatpak. Donc je ferai quelques tests tout à l'heure. Les jeux, bon, pas grand-chose. C'est pas ça qui nous intéresse. Le gestionnaire de partitions KDE. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Hein, ce logiciel permet de gérer ses partitions. Là, comme on peut le voir ici, j'ai ma partition EFI hein, qui est active ici. Et là, j'ai ma partition système qui est bien en P6 ici. Donc ça, ça fonctionne. Et ma partition data, ma partition... Donc vous, ça, la partition data ici, ça peut très bien être votre Windows, hein, tout simplement. Ce qu'il faudra faire, c'est si vous avez du Windows sur votre ordinateur, c'est diminuer la partition Windows avec Windows. Hein. Vous cherchez des tutos sur Internet hein, pour pouvoir diminuer votre partition Windows avec Windows. Ça se fait assez facilement. Et sans souci. Ensuite, vous avez un espace libre, comme on peut le voir ici. Et ensuite, ben, vous installez votre distribution Linux dans votre espace libre, tout simplement. Ensuite, nous avons les outils système. Donc, on a fait un petit peu le tour. HTOP est installé d'office. Hein, c'est le HTOP. Donc, ça, c'est le HTOP qui est en version dev. Hein. Là, si je regarde ici le logiciel, hein, ici, je n'ai pas de KTR. Donc, je suis bien en version dev ici, au niveau du logiciel.
Donc les tests ont bien été réalisés avec cette version. Des fois, on pourrait faire des bêtises et faire des erreurs si on ne contrôle pas avec quel logiciel on teste la distribution. Ensuite, CadenLive, ça je l'ai installé pour faire mes essais. Contrôle du volume, Pulse Audio, donc vous allez pouvoir gérer votre volume ici aussi avec ce raccourci qui se trouve ici. Mais le petit souci que j'ai avec cette distribution, c'est que justement, on retrouve ce menu-là, mais on ne le retrouve pas ailleurs. Donc je vais par exemple ici dans les préférences, et là dans les préférences, je peux faire LXQT paramètres du système, et puis ici c'est le centre de configuration LXQT. Et là, je n'ai pas de menu pour configurer le son. Alors, dans les apparences, vous allez pouvoir régler quelques apparences du système. Donc ça, je n'y touche pas trop, les thèmes d'icônes, les LXQT, les thèmes de police, tout ça, vous pouvez gérer tout ça, mais ça ne m'intéresse pas trop. L'association de fichiers, bon, est un petit peu compliqué à gérer, puisque là, il va falloir trouver les MIM pour pouvoir associer les fichiers. Par contre, vous avez application par défaut, mais là, il n'y a pas beaucoup de menus de configurables, soit Internet, messagerie ou gestionnaire de fichiers. Donc, vous pourrez choisir quel logiciel ouvrir avec Internet, et là, vous pourrez bien sûr choisir Flatpak. Et il ouvrira de préférence, normalement, les Flatpak. Donc là, j'ai validé pourtant. Hop, mais il ne l'affiche pas ici. Il met navigateur aucun. Bon, peut-être un petit souci de ce côté-là. Dans les bureaux, donc vous allez pouvoir gérer vos bureaux ici. Ça, ce menu-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, dans les claviers souris, vous avez bien sûr les menus que vous pourrez configurer. Ici, la gestion du clavier et la souris aussi. Et pavé numérique, c'est ici que vous allez pouvoir gérer quelques petits menus. La date et l'heure, on passe. L'effet des fenêtres, ici vous allez pouvoir configurer l'effet des fenêtres pour activer les ombres. Si vous voulez essayer d'économiser un petit peu de performance au niveau de votre ordinateur, vous pouvez gérer un petit peu ce menu. La gestion de l'énergie, alors là ça peut être intéressant d'aller dans ce menu pour faire votre gestion en suffisant de l'utilisation de l'ordinateur, activer la surveillance de la batterie, quand la batterie est faible, ne rien faire, ou verrouiller l'écran, ou suspendre, ou hiberner, ou arrêter, ou éteindre les moniteurs. Donc ça, vous avez des options ici intéressantes. Le capot, quand vous fermez votre capot, vous avez des options aussi que vous pouvez activer. L'inactivité, au bout de 15 minutes, si on est branché, au bout de 16 minutes, vous mettez ce que vous voulez. Le bouton d'alimentation. Alors, action du bouton d'alimentation. Donc là, ça peut être intéressant, parce qu'on peut mettre « demander ». Donc là, si j'appuie sur mon bouton d'extinction, hop, là, il m'envoie un menu maintenant pour savoir qu'est-ce que je veux faire. Déconnexion, arrêter, mettre en veille. Donc ça, c'est une option assez intéressante, quand ça fonctionne, bien sûr. Là, je mets « ne rien faire ». Quand j'appuie sur mon bouton d'extinction de l'ordinateur, il n'y a rien qui va se passer au niveau de l'affichage. Et bien sûr, vous avez sur votre ordinateur, si vous avez des boutons pour faire de la suspension ou bien pour hiberner, vous avez des fois sur certains types d'ordinateurs des boutons pour activer ou hiberner l'ordinateur. Ici, je n'ai pas ça sur mon ordinateur. Gestionnaire de fenêtres OpenBox, ça je n'y touche pas. Ensuite, nous avons le paramètre de session LXQT. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Donc là, c'est pareil, je n'y touche pas à ces menus. Là, lanceur automatique. Donc là, vous pouvez faire des lanceurs automatiques. Donc on peut ajouter des logiciels pour démarrer automatiquement au démarrage. Mais bon, c'est assez compliqué. Ça va être à vous de mettre le nom du logiciel et de trouver la commande. Donc ça, on oublie, ce n'est pas très fonctionnel pour une utilisation en 2022. La région, on avait déjà vu, on est bien en français ici, je l'ai déjà montré lors de l'installation, mais tous les logiciels ne sont pas mis en français. Et comme on peut le voir ici, on a des fois des menus qui sont toujours en anglais, Apply Full Upgrade. Donc ça, c'est le petit raccourci qui permet de faire des mises à jour directement par un terminal. Il suffit de taper la commande et puis il va faire les mises à jour en arrière-plan directement avec un terminal. Alors, additional driver. Donc, si vous avez des pilotes propriétaires sur votre ordinateur, c'est ici qu'il faudra aller configurer tout ça. Donc, ce menu-là, c'est le même menu qu'on retrouve sur Ubuntu, la version officielle. Vous avez Ubuntu Software. Bon, on a encore des menus qui sont en anglais ici, mais bon, ce n'est rien de compliqué. Les autres softwares, donc ça sera les PPA. Pour certaines personnes, ils installent directement Firefox en PPA. Je vous montrerai quelle page aller voir sur internet pour installer Ubuntu en version Deb, en version PPA. Ce n'est pas la fonction que je préfère utiliser, les PPA, je préfère utiliser des Flatpak. Les mises à jour, donc là, les mises à jour seront faites tous les jours. Et puis là, je vous conseille d'utiliser une mise à jour ici, au niveau de la distribution, de la cocher sur jamais. C'est-à-dire que ça sera à vous de faire la mise à niveau lorsque nous passerons à la Ubuntu, donc qui sera en 2024, la nouvelle version, la 24.04, il faudra venir ici et changer le menu pour passer sur la version sur le long terme. Je ne laisse pas la
case cochée ici, long terme support et release, de façon à ne pas changer de version sans que je ne m'en rende compte. Bien sûr, il vous proposera la mise à jour, mais de temps en temps, entre différentes mises à jour, on est un peu perturbé et on risque de cocher une option sans le savoir. Donc pour changer de version, pour passer d'une autre version, d'une version LTS à une autre version LTS, ça sera à moi de le configurer et de le valider avec l'option qui se trouve ici et qui me permet de valider cette option avec update ici never. Voilà, c'est bien coché never. Alors la software source, c'est la même chose, c'est le même menu qui se trouve ici qui nous permet de configurer l'ordinateur pour les mises à jour, update, authentification et pilote additionnel que vous allez retrouver ici. Voilà pour le menu des paramètres, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas de menu pour régler le son. Ensuite, nous avons quoi à propos de LXQT. Dans les préférences, bien sûr, vous avez des raccourcis ici qui vous permettent d'aller dans les menus en direct ici, mais bon, c'est un petit peu loin ici, je trouve, le menu pour aller dans les paramètres. Ils auraient pu le mettre un petit peu plus près au niveau du raccourci. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons les mêmes paramètres qui sont ici. Et à propos de LXQT, vous avez la version 0.17. Donc comme c'est la version 0, c'est-à-dire qu'elle va encore évoluer. Quand on sera à la version 1.1 ou 1.2, là on commencera à avoir quelque chose de sérieux. Mais pour l'instant, vous voyez, ça fonctionne, c'est très stable, il n'y a pas de souci avec ce système que je conseille en priorité pour les ordinateurs qui sont très peu performants. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Alors j'ai fait quelques tests, j'ai relancé l'ordinateur et j'ai fait la comparaison entre une version Snap et une version Flatpak au niveau de Firefox. Alors nous avons ici la version qui se trouve ici Internet, la version Flat. Donc un clic droit et vous pouvez bien sûr l'ajouter sur le bureau. Là vous avez l'information Flatpak au niveau du bureau. Vous pouvez bien sûr le mettre tout en bas dans votre menu qui se trouve tout en bas dans la barre de lancement rapide ici. Le petit plus vert est affiché, le mieux c'est de le mettre au milieu quelque part. Vous le lâchez, oh, il arrive à droite ici, mais ce n'est pas un souci. Quand vous mettez le menu dessus, vous allez le retrouver. Je mets sur la droite et là vous avez la version. Et là vous avez la version flat. Je fais un clic droit et je peux la déplacer à gauche. Là je fais un clic droit et je vais encore la déplacer à gauche. Donc ici c'est la version flat. Alors nous allons calculer ensemble le temps de démarrage. Alors bien sûr, je l'ai fait avec un chronomètre et j'ai fait plusieurs tests. Donc en gros, ça met 3 à 4 secondes à démarrer. Alors attention, 1. 2, 3, top, 1, 2, 3, voilà, 4 secondes en gros, vous avez démarré votre version Mozilla Firefox. Alors, ce que je vous conseille d'aller voir aussi, c'est le site de Numetopia. Sur le site de Numetopia, c'est un site avec beaucoup d'informations sur les logiciels libres. Ici, vous avez une information sur comment installer Firefox en version dev. Alors, je vous mettrai le lien dans le raccourci au niveau des descriptifs de la vidéo, mais vous pouvez installer Firefox en version dev. Alors, je trouve cette méthode un petit peu plus compliquée d'installer une version dev sur votre ordinateur au niveau de Firefox. Pour moi, la solution la plus pratique, ce serait plutôt d'installer la version Flatpak. Mais vous avez le choix, vous pouvez aller voir ce site et installer très facilement une version dev sur votre ordinateur. Mais je ne trouve pas la solution des plus pratiques. Ensuite, nous allons démarrer la version Snap au niveau de Firefox. Alors attention, 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. En gros, on est autour des alentours de 8 à 10 secondes là parce que j'ai mon logiciel VocoScream qui tourne en arrière-plan. Mais si je n'avais pas le logiciel VocoScream en arrière-plan, en gros, en 7 secondes, on a démarré le logiciel Firefox en version Snap. On a à petit peu près le double de temps de démarrage entre les deux versions. Donc ce sera à vous d'essayer de faire le comparatif et de voir lequel vous allez pouvoir préférer. Mais comme vous le voyez, on peut utiliser les deux assez facilement et ça ne pose pas de problème. Voilà pour la vidéo que je voulais vous présenter au niveau de la distribution Lubuntu 22.04. J'essaierai de faire le tour des autres distributions tranquillement et de vous présenter un petit peu tout ça au fil du temps. Je vous dis ken à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.